Bienvenue dans ce nouveau Let's Play, le Ultimate Decades Challenge. Ce challenge sera un long challenge, une très grosse épopée où on va passer d'année en année, depuis l'année 1300 jusqu'à nos jours. J'ai déjà fait un Decades Challenge sur la chaîne que je vous invite à regarder si ce n'est pas encore fait, qu'on partait de 1880, mais là on va remonter encore plus loin dans le passé. 1300, c'était pas hier, hein. C'était il y a très très longtemps. Et pour ce challenge, je vais me référer la plupart du temps aux règles de Morbid's Gamer, qui est la créatrice de ce challenge. Vous trouverez les règles en anglais dans la description, ainsi qu'un document retraçant mon Ultimate Decades, puisque je ne vais pas suivre le même système de jours et d'années concernant ce challenge. Je vais vous expliquer. Sachez que je vais jouer en vie courte pour ce challenge, puisque j'ai déjà fait, comme je vous ai expliqué, le Decade Challenge et aussi le Lord and Lady qui se déroulait plus dans les années 1600. Et en vie normale, c'est très long, puisqu'ici on doit parcourir à peu près 700 ans. C'est quand même extrêmement long. Donc je vais jouer en vie courte, et parce que surtout aussi le système de nombre de jours que Morbid's Gamer avait mis en place était vraiment encore plus long que le truc normal. Que par exemple il fallait faire 28 jours Sims pour la période enfant, 28 jours Sims pour la période adolescent, et encore plus pour le mode jeune adulte et adulte, puisque dans son comptage de jours, 4 jours égale une année. Elle s'est basée sur le temps de grossesse de chaque Sims, puisque effectivement c'est 3 jours Sims, donc ça fait 3 mois à peu près, donc on rajoute une journée, ça fait une année complète. Moi, je vais pas du tout suivre ça, puisque chaque journée sera équivalente à une année Sims. Alors dit comme ça, ça fait un petit peu vite, mais au moins on avancera, ce sera vraiment sympa. Vous inquiétez pas, on aura le temps de faire quand même beaucoup de choses pendant ce temps-là. Il n'y aura que les grossesses qui ne seront pas vraiment adaptées, puisque les grossesses mettent 3-4 jours. Il me semble même que j'ai même réduit dans mon jeu, grâce au MC Command Center, le temps de gestation de chaque Sims. D'ailleurs, mes femmes Sims continueront à vieillir pendant les grossesses, parce que même nous, humains, on continue de vieillir malgré les grossesses. Et ça permettra aussi qu'il n'y ait pas de très très grandes différences d'âge à la fin de leur vie, comme ça vous sachez ce qui va se passer et pourquoi on va aller assez vite. Et comme vous pouvez le voir, il y a la petite famille que j'ai créée, la famille Emerson, qui sera la vedette de ce challenge. Je vais vous les présenter tout de suite. Vous avez ici les parents Isaac et Ismenia. Bien sûr, ils sont roux et blonds, hein, parce que c'est mes Sims favoris d'être roux et blonds. Et ils ont ensemble 3 enfants. Alors, ils en ont peut-être pondu plus, mais l'histoire ne nous le dira jamais. Regardez-moi ça. Ils sont beaux et ils sont amoureux. Ils sont adultes et chacun a déjà un... Comment dire, j'ai avec le MCC, vous pouvez aussi donner le nombre de jours que vous avez dans la tranche d'âge. Du coup, si vous vous référez au tableau Excel qu'il sera en lien, vous pourrez suivre l'avancée, les âges, les développements de toute la famille. Mais attention, c'est au risque aussi de vous faire spoiler, parce que moi je vais essayer de le remplir au fur et à mesure que j'enregistre, et comme je vais sûrement enregistrer avec 1, 2, peut-être 3 semaines d'avance, ça risque de vous spoil si quelqu'un meurt et que vous ne voulez pas le savoir. Il faudra faire attention, parce que oui, des morts, il va y en avoir, ça je peux vous le dire, je peux vous l'assurer. Ce challenge est vraiment assez morbide. Ensuite, nous avons le fils aîné, Joseph, qui est ici. Joseph a choisi bien sûr de monter les escaliers, c'est pas du tout pratique. Joseph est le fils aîné, il vient d'être jeune adulte et c'est le seul des 3 à être jeune adulte actuellement. C'est lui qui va hériter de la maison des parents qui est ici. Puisque dans les règles, en fait, les héritiers sera toujours et pour tout le temps de ce challenge, en tout cas jusqu'à nouvel ordre en tout cas, le fils aîné qui a survécu sera l'héritier de la famille. Pour cette génération, je vais déjà faire une entorse. Alors je ne sais pas si j'ai le droit ou pas, parce qu'il y a très peu de personnes qui l'ont joué. En tout cas, moi je sais que je vais partir avec la fille en tant que première, mais je vous expliquerai pourquoi. Mais en tout cas, par la suite, il faudra se baser sur le premier fils né et encore en vie, bien sûr, parce qu'il y a pas mal de choses qu'elles vont devoir survivre pour arriver en état de jeune adulte, je peux vous l'assurer. Et s'il n'y a pas de fils aîné pour reprendre la famille, eh bien, ça marchera avec la fille aînée et son mari qui viendra la rejoindre dans la famille. Nous avons ensuite Athelstan, qui est là, qui est le fils du milieu.
Pour lui, il est encore adolescent, mais il est bientôt, il sera de jeune adulte, parce que j'ai créé une petite différence grâce au MCC pour différencier, que ce soit un peu graduel, qu'il ne soit pas tous les trois jeunes adultes, comme, enfin, c'est pas logique, il y a toujours une petite différence d'âge. Et en dernier, c'est avec elle que je vais jouer cette première génération, en tout cas, c'est Joy. Alors, bien sûr, si elle ne meurt pas, hein, parce qu'elle est adolescente, elle vient juste de devenir adolescente, donc... On va la suivre, elle, et il faudra lui trouver un futur mari aussi. Donc, de toute façon, les trois sont à caser dans ce challenge, les trois enfants. Je les ai installés ici, à Chestnut Ridge. Et croyez-moi que j'ai déjà prévu, bien sûr, d'installer Athelstan et sa future femme dans une petite ferme dans les alentours du même quartier. Comme ça, ils resteront à proximité. Il me semble que c'est cette maison-là. Alors que Joy aura un terrain beaucoup plus grand. On aura le terrain, le grand terrain 64 par 64. Comme ça, on pourra faire pas mal de choses, pas mal d'améliorations. C'est ici qu'on aménagera. Voilà, on vivra ici avec Joy et son futur mari. Et à l'heure actuelle, il y a pas mal d'extensions de sortie. J'ai énormément de mods ainsi que de CC. Si vous voulez avoir une liste ou pseudo-liste, n'hésitez pas à aller voir mon Pinterest que j'aurais mis dans la description. Vous y allez, vous trouverez à peu près tout ce que j'aurais utilisé dans cette partie. Dans le document aussi fourni PDF, il y aura des liens, des mods des principaux qui vous aideront à vous immerger. Et je vais jouer avec, ben, avec ce qui est sorti, hein, c'est-à-dire Love Struck, et on fera en sorte de se marier avec des Sims avec qui ben, nos Sims vont bien s'entendre. On va pas forcer le destin en disant « Tiens, j'ai un fait emménager, truc mûche à côté, donc on va aller le rencontrer et se marier de force limite avec. » On va faire avec ce que le jeu va nous proposer, entre le fait que là, il n'y a pas de bonne compatibilité, entre le fait que ça se passe pas bien, entre le fait que la personne ne dise « Bah non, finalement, je préfère être amie. » Parce que maintenant, ça se passe comme ça aussi dans les Sims, ça m'arrive aussi dans à peu près toutes mes parties de toute façon maintenant. Donc on va jouer avec. Donc je n'ai aucune idée de avec qui ils vont se marier. Mais alors absolument pas, ça va être sympa. Bon, et ben maintenant que les présentations sont faites, j'espère que bah, ça va vous plaire et bah, on va commencer à s'occuper un petit peu de toute la maison parce qu'il y a toujours pas mal de choses à faire. On va faire un petit peu de jardinage et on va s'occuper aussi des animaux parce que nous avons des poules. Et comme vous avez peut-être pu voir dans le trailer, parce que oui c'était eux qu'on voyait dans le trailer, il y a aussi une vache. D'ailleurs tu vas laver Agnès, elle s'appelle Agnès, alors c'est pas moi qui l'ai appelée comme ça c'est dans la maison que j'ai téléchargée. Toutes les constructions quasiment sont... prise sur la galerie. La seule construction qui sera de moi, c'est la maison de Joy, ainsi que l'auberge du dragon que j'ai un peu foutu un peu partout dans les différents quartiers. Et oui, bah, c'est l'auberge du dragon du Lord and Lady, donc clairement, on connaît bien, on sait, voilà, vous le savez déjà. On va commencer à s'occuper un peu des bestiaux, voir si... Oh, il y a un petit poulain, un poussin et tout, un petit poulain, n'importe quoi. En tout cas, on va s'en occuper, on va s'occuper aussi des abeilles et tout. Il y aura pas mal de choses à faire, hein, vraiment, au niveau du gameplay, tout ça. Je vais vraiment pas me baser, en tout cas, pour ce qui est de Joy et compagnie. Faire vraiment créer des choses, vivre des produits de la ferme, etc. Ce sera vraiment sympa. Et avec tous les mods que j'ai installés, à mon avis, on n'aura pas le temps de s'ennuyer. N'est-ce pas, ma belle? Voilà, tu t'occupes bien de cette petite vache. Oh, elle aime les câlins. C'est trop mignon. Tu vas raconter une blague et si tu peux la traire, ce sera encore mieux. Ce sera nos premiers sous. Alors, j'avoue que je me souviens déjà pas si dans les règles, je peux les faire aller à l'école. Je ne pense pas. En tout cas, ils vont quand même essayer de faire leurs devoirs pour pas être trop des cancres. Et mon petit Joseph, ben, maintenant que tu es prêt à marier, mon petit, faudra peut-être qu'on essaie de voir pour rencontrer des jeunes femmes disponibles. Ah ouais, ça donne l'ambiance, hein. Ça donne de l'ambiance. Bon, il y en a déjà qui sont absolument pas dans le thème. C'est super. Les bugs sont déjà en train de commencer. Ça y est, Joy se met déjà à faire de la broderie. Ça va pas tarder, ça. Alors, je vais vendre directement le lait. Quoique, on va le mettre dans le frigo. Est-ce que... Donc, j'ai des... Comme je vous dis, j'ai beaucoup de mods. Il y a un mode qui permet aussi de faire la cuisine. Comme ça, on va voir ce qu'on peut faire. De toute façon, normalement, je crois que la maison, elle est déjà... on a déjà la contrainte, vous savez, vie simple et hors réseau. Mais je sais plus si c'est déjà le cas. Donc, après, je vais le mettre. Il nous manquait juste le vie simple. Qui va, du coup, ben, beaucoup... Voilà, on pourra rien faire à manger, en fait. C'est ça le problème. Joseph, au lieu de faire le gogol avec ta pâte à modeler, là, tu vas commencer à aller faire un peu de chasse. Donc, The Forest, tu peux aller chasser. On va voir ce que ça donne et s'il arrive à chasser quelques petites choses. Mais non, c'est toi qui veux chasser avec eux. Ouais, tu me diras, tu peux essayer de faire un peu de l'archer. Je pensais plus que tu allais t'occuper des animaux, mais pourquoi pas. À la limite, si elle chasse et qu'elle snipe les lapins du terrain, moi je veux bien aussi. Hein. Ça nous fera bouffer pour ce soir. Hein. Papa, lui... Il fait déjà les légumes. Bon, elle va aller lire un bouquin, d'accord. J'aurais aimé qu'elle fasse à manger, mais effectivement, on pourrait avoir du mal à faire à manger, je pense. Tiens,
il y a une jeune fille, Emily Halliwell. Ah bah Telsen, tu vas la recevoir s'il n'y a que toi qui fais rien. Tu vas l'inviter à entrer. Maman, elle va venir aussi, elle l'invite à entrer. Pour l'instant, elle fait du beurre avec le lait. Donc au moins, on aura toujours ça à manger. C'est pas très nutritif, mais c'est déjà ça. Elles sont pas sympas, les abeilles? Mais si. Regarde. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu accueilles pas la dame? Je t'ai demandé d'accueillir Madame Halliwell, Emily. S'il te plaît, Atestan. Alors, au rez-de-chaussée de cette maison, c'est un peu l'atelier. L'atelier avec pour faire pas mal de choses. Hein. Vous allez tous vous présenter, ça peut être sympathique. Donc, c'est les ateliers pour faire du vin, faire de la menuiserie, faire des bougies, faire des bouquets. Pour un peu gagner des sous. C'est la maison des parents, ils sont là depuis plus longtemps. J'ai encore un Sims qui a une voix différente de son genre. C'est quand même très perturbant. C'est qui celui-là? Owen Waters. Eh ben, bienvenue. Enfin, tu vas accueillir ce jeune homme également. Vous allez tous l'accueillir, en fait. Ah bah super, le mec, il m'a déjà pété une poubelle. Eh mais je vais être sympa et tu vas vivre. Parce que clairement, normalement, tu meurs avec ces conneries-là. Joseph est de retour, il va aller se présenter à cette jeune demoiselle. Avec une voix d'homme. A priori, il a quand même réussi à... Ah oui, il a chopé des trucs. Alors attention, trigger warning pour les sensibles. Il y a vraiment des... Enfin, c'est très bien fait ce mode. Donc, nous avons des animaux morts. Homemade butter, on va le mettre au frigo quand même. Enfin, au garde-manger. Hein. Alors, nous avons quoi? Un petit lapin. Ah oui, et deux poulets. Ah, c'est trop bien. Mais c'est super. Franchement, maman, elle va prendre la viande. Comme ça, on aura au moins de la viande. On pourra bouffer peut-être quelque chose ce soir. On a peut-être pas de légumes, mais au moins, on a de la viande. Alors, je découvre en même temps que vous. Du coup, on a les trucs de viande comme ça. Ah ouais, d'accord. Ah oui, ça fait... Ok. Ah non, c'est bien en vrai. C'est top. Ça, c'est top. Et on va tout mettre dans le garde-manger également. Je vais ajouter de la glace, j'avoue que j'en ai pas mis. Bon, elle peut faire du fromage. On va faire du fromage. Le fromage, du beurre et de la viande. Il manque que du pain. Et on se fait un gueuleton. Hein, vous êtes pas prêts. Atelstan, arrête de faire le débile. Ramasser les ordures, ça te fera les pieds. Après, c'est nos voisins, tu vois. Donc, on va discuter avec nos voisins. Atelstan, tu discutes avec cette jeune femme? Enfin, c'est Joseph qui devrait discuter. Ouais, on sait pas. Hein, il peut y avoir des trucs qui se passent. On peut. J'ai l'impression que ces Sims sont surexcités. Ils sont toujours en train de vouloir faire des trucs et des muches. Bon, il est pas trop mal, lui, non? Je sais pas si il est célibataire ou pas, mais... Certes, il est un peu plus vieux qu'elle, mais c'est pas grave. Vraiment pas grave. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est une secte? Oh là là! Mais qu'est-ce qui se passe? Bonjour messieurs, dames, mais il y a un problème, non? Oh là là, mais... Mais qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu! Il se passe un truc chelou. C'est quoi? Pourquoi les gens ils viennent tous là? Là, je comprends pas. Mais il n'y a rien de fou. Ils viennent tous s'agenouiller ici. C'est la secte ou quoi? Ou ils savent que nous sommes les élus? Les élus de ce challenge? Non mais au secours! Et ils s'arrêtent pas de pomper? Oh là là. Mais il y a beaucoup trop de monde. On va faire le plein de connaissances, hein, pourquoi pas, mais bon. Bon, il y a des têtes que vous connaîtrez peut-être, hein, relookées. Comme Lady Juliette, par exemple, Bridlton. Ou alors, ils vouent un culte à la bassine, et là, je comprends pas ce qui se passe. Au secours, ça commence bien. Les délires, j'en peux plus de ce jeu. Mais il y en a encore qui arrivent, hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, nos premiers invités nous quittent. J'ai encore des gens qui débarquent. Waouh! Un mur de pierre! Oh, c'est incroyable! La secte! La secte du mur. Ah bah, ils sont bons. On n'a rien compris. Mais rien du tout. Attendez, comment ça se fait qu'il y a de la brioche? Mais qui c'est qui a fait de la brioche? Qu'est-ce que tu fais, toi? Mais elle est hystérique! Mais calme-toi, mes meufs! Mais attends, mais... What? Bon, après, elle est ado, hein, elle risque rien, mais bon... Il commence pas à me faire des frayeurs. Oh là! Mais qu'est-ce qui... Mon dieu, mais la secte, là! Oh! C'est Audrey en fleurs et Lucie Mercier. Mais quelle honte! Il y en a encore qui débarquent, hein. C'est même pas pour nous, hein, qui viennent, hein. Oh là 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 là. Il y en a, ils se pointent avec des... Ils sont tenus, mais alors ils ont des chapeaux dégueulasses. C'est pas possible. Tu peux venir te... Voilà, les garçons... Non, mais les garçons, vous êtes pas obligés de dormir, là. Il est que 22h. Les jeunes adultes, on leur dit bonjour. Ouais, elle se barre. Ah, non, elle revient. Ça s'en va et ça revient. Ouais, c'est super. Tu vas appeler à table. On a réussi à faire un fromage. On va pas mourir de faim tout de suite. Non, mais regardez, elle est en train d'être folle. Eh, mais non, mais pas tout le monde, en fait. C'était pour ma famille. Non, non, mais cassez-vous, les gens. Je veux pas vous inviter à manger mon fromage. Mais cassez-vous, putain.
Ah, au secours! Au revoir! One eternity later. Bon, toi aussi, tu vas manger un peu plus tard, mais tu manges ton bout de fromage et puis après c'est dodo, hein. Comme tout le monde. Puis déjà une grosse journée avec des gens bizarres. Et papa, tu vas pas te lever pour faire de tir à l'arc. Tu vas dormir. Ils ont déjà des lubies chelous, hein. Bon, il n'y a plus personne de chelou ici. La secte du mur a disparu. C'est très bien. Les petites poules sont de sortie. Je pense que le matin est arrivé. On va pouvoir réveiller nos petits Sims ou les laisser se réveiller. Ah! Bah, j'ai parlé trop vite. Il y a Telstan qui cracra. Tu vas te laver. Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette petite dépendance-là. Et il y a une petite baignoire. Eh bah, vas-y. Fais-toi plaisir. Décrase-toi un peu. Ça fera du bien. Alors... normalement, j'ai relu les règles. J'ai pas l'impression qu'il y ait des règles sur l'école. Je sais pas s'ils peuvent aller à l'école. Voilà, c'est ça le truc. On va l'envoyer seul et puis il va se débrouiller. Et puis bientôt son anniversaire, déjà. J'avais oublié que j'avais installé des thermes pour qu'on puisse se laver tous en famille. Et un autre truc que j'ai oublié, c'est qu'on peut pas garder les restes dans le frigo. Donc je vais ressortir ce qu'on avait fait et voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Je vais les mettre plutôt dans son garde-manger, dans son inventaire à la maman. Et sinon, bah tant pis. T'as l'air bien bonne humeur, toi. Comment ça se fait que tu pars pas... ouais, je sais pas. Elle est bonne humeur, elle est bizarre. Elle qui dépense 150 simflouz pour faire de la broderie, tu te foutrais pas un peu de la gueule du monde? Mais c'est trop bizarre parce que ils arrivent pas à manger le fromage. Je sais pas, je comprends pas trop comment ça fonctionne. Faut qu'ils le mettent dans l'inventaire pour après que je reclique dessus pour le manger. C'est n'importe quoi. Hein. Oh, ben ils ont bien poussé les trucs là. Pour info, pour tout ce qui sera jardinage, on peut pas récolter tous les jours. On a droit qu'à ne récolter qu'une seule fois par saison, en fin de saison. Bon, comme je suis en virée courte et donc j'ai mis les saisons sur 7 jours, bah ça devrait aller. Mais en attendant, on va avoir faim. Donc je sais pas pourquoi, il peut pas s'en occuper si désherbé. Ah voilà, pulvériser d'insecticides, c'est ok. Bah, il va avoir du taf, papa. Hein. Et arrête de bouquiner, en fait. Je sais pas, t'as du boulot. Arrêtez avec les livres. On va venir s'occuper quand même des poules. On va récolter le miel. On va récolter la cire. Voilà, on va commencer à faire des choses intéressantes. Hein. Et pourquoi tu vas pas pisser, toi? Tu fais un câlin en poussin, c'est sympa, mais va pisser, mon grand. Il est bizarre, lui aussi. Le poulailler, nettoyer, ramasser les œufs, ça devrait le faire. On devrait commencer à pouvoir faire quelque chose, manger des trucs, en fait. Meuf, ta robe, elle est trop belle. T'es trop belle aussi. Oh, les cheveux d'une longueur comme ça, le rêve. Voilà, la petite Agnès se fait faire une beauté. Oui, magnifique, mademoiselle. Maman, elle a récupéré plein... Arrête de vouloir faire ça. Et c'est pas possible. Tu vas venir faire à manger, là. On va voir ce qu'on peut faire avec ce que t'as. Bon, au moins, avec les œufs des poules et le lait de la vache, on devrait quand même avoir, a priori, un peu de bouffe pour chaque fois, tous les jours. Tant mieux, parce que à un moment donné, on va avoir la famine dans le jeu. Voilà, je vais pas vous spoil, mais bon. Et là, elle fait du gruau, a priori. Gruel, je pense que c'est gruau. Donc, pareil, on va pas mourir tout de suite. On donne à fond, hein, à cœur joie sur les plantes. Prends-en soin. Pendant qu'Atelstan fait des rencontres à l'école et c'est pas plus mal. Je pense que les ados, je les laisserai aller un jour sur deux. Et non meuf, t'as tout renversé Agnès. Voilà, biatch. Le gruau est servi. Ça donne pas envie, hein. T'aurais quand même pu trouver un passe-temps qui était légèrement moins cher quand même. Hein. On va vendre la viande parce que pour l'instant, on peut rien en faire. Donc on a récupéré quelques sous. Je vais donner la cire à Joy. Les œufs, bah je sais pas trop, on a du miel et tout. Mais c'est bien, on a quand même des trucs sympathiques. Là, elle va faire des bougies quand elle aura fini sa broderie. Ouh là là, il est enragé, lui. T'es revenu de la chasse, mon beau Joseph. Et il nous a ramené des trucs encore, c'est merveilleux. Bon, lui, il se calme un peu sur son miroir. Telstan, t'es dégueulasse, mais t'es cracra, mais c'est une dinguerie. Va faire des grimaces avec ton frère, ça va te remonter, parce que là, à divertissement, c'est pas possible. Puis je pense qu'on va aller tous aller au terme, tous ensemble. Tout simplement se baigner, se laver un peu, pour un peu moins puer du fiac. Bon, ce qui est bien, c'est que la secte du mur n'est pas revenue. Donc c'est parfait. Hein. Et papa, il est depuis qu'il est le réveillé, il s'occupe des plantes, il a pas encore fini. Ah, ça va, c'est son dernier, je pense, parce que là... Vache, le temps que ça lui prend. Mais l'autre, elle m'a recramé de la thune pour un... Ouais, 199. Bon, au moins, on récupère un peu de sous, là, parce que c'est compliqué, hein. Enfin, une pause pour papa Isaac, hein. Il peut enfin se poser et manger du gruau, miam. Puis aller au terme, ça va nous permettre aussi, pour Joseph, de peut-être rencontrer quelqu'un, hein, avec qui on pourra le marier.
Arrêtez avec les... Non, non, mais tu vas pas faire de la broderie non plus, toi, mais... Oh, c'est pas possible. Et ce truc-là, je te jure, je vais le mettre que chez elle, et puis basta. Parce que là, ça commence à faire un peu beaucoup. Beaucoup d'argent, pas grand-chose. Bon, vous êtes prêts? Allez, on va aller au terme, on va aller se laver le fion. Nous voilà au terme, on est à Bridgeton Bay, et il y a de quoi, clairement, s'amuser. En tout cas, se baigner. Allez, hop, tout le monde à l'eau. Tout le monde va se baigner, tout le monde à poil. Pour la plupart, ils n'auront pas spécialement de tenue spéciale. Peut-être, ouais, Joseph, faudrait que je lui change. Oh non, ça va, les garçons, ils ont juste un Bermuda. Allez, ma petite Joy. Non, Joy, elle n'a pas envie. Nage aussi, avec tout le monde, j'ai dit. Pourquoi tu te sens exclue de la famille ou quoi? Est-ce que tu pues moins que les autres, peut-être? Donc ça, c'est les thermes. C'est ici qu'on viendra se laver la plupart du temps. Comme vous pouvez le voir, il y a un bassin. À l'arrière, il y a aussi des petites baignoires et de quoi laver les petits enfants. Il y a beaucoup d'enfants, bizarrement, dans ces termes. Ouais, on va pas faire connaissance avec du beau monde, hein, je pense. C'est que des gamins. Ah mince, même avec des murs hauts, ils arrivent à se voir tout nus. Ah ça, c'est pas de chance, hein. Vraiment que des gamins. Non, il y a deux mecs ici. Ah, ils s'appellent Isaac aussi, Mathéus et Abanu. Des mecs, quoi. Pauvre. Il est entouré de gamins, mais c'est pas parmi ceux-là que tu vas trouver ta future femme. Hein. Oh, belle, elle s'est endormie dans la baignoire. Ça va, Telstan? Ça fait du bien. Ismenia, elle se détend dans les sources chaudes. Habillée, bien sûr. Normal. Moi, ouais, t'avais une qui était là, mais je pense que c'est une des parties de la secte là qui était venue. Bon, ouais, il y a du monde, mais clairement, c'est que des gamins, quoi. C'est pas très intéressant. Ah, bah voilà, t'as fait connaissance de Abanu. Est-ce que Abanu est sympa? Peut-être qu'il pourrait être ton amoureux. Bon, bah, il est minuit et demi, on va quand même rentrer à la maison parce que c'est un petit peu, comment dire, bizarre. Nous voilà rentrés beaux et fringants et on va s'adonner un peu. Punaise, il faut encore faire. Et ça va être infernal, le jardin. Tu vas disperser de la nourriture encore. Ramasser les œufs, apparemment, il y en a. Puis oui, tu vas manger, ma pauvre, parce que tu vas crever. Quand même tard, quoi, mais bon. Vous allez quand même aller vous coucher. Vous n'êtes pas hyper fatiguée. Enfin, Ismenia, elle n'est pas très fatiguée. Mais bon, ils vont quand même aller dormir, parce qu'une bonne grosse journée les attend demain. Il est bon, le gruau, que t'as pas mangé non plus. En tout cas, il est bon. Ouais, bon, il va pourrir après, donc dans la nuit. Donc moi. Et après, t'iras te reposer. Et bah... Elle a sa petite chambre à elle, Joy, c'est bien. C'est minuscule, mais son petit placard à elle, quoi. Bonne nuit, les Emerson. J'ai raté le coq, mais il a bien gueulé. D'ailleurs, en parlant du coq, il n'y en a aucun qui est clos. Oh, c'est dommage, ça. On pourrait avoir des poussins, moi, je vous le dis. Je pense qu'il faudrait des légumes, en vrai. Est-ce que sur cette map, il y a des trucs à récolter, genre des légumes et tout qui poussent? Voilà, il y a ça. Mais est-ce qu'on a autre chose? Je m'en souviens pas. Ça va être là pour la Telstan et de Joy de se lever pour aller à l'école. Alors, Joy, elle va effectivement y aller. Je vais faire fondre les œufs. Parce que sinon ça va pourrir. Elle va effectivement aller à l'école. Attestan, il va pas y aller. Bah, tu vas aller regarder les oisales. Et lui, hein, vu que je vais faire un jour sur deux, eh ben, on va alterner. Comme ça, j'aurai toujours un rouquin avec moi. Ah bah tu sais quoi, tu vas aller chasser? Go foraging. Tu vas aller chasser à la place de ton frère. Faire des œufs bouillés. Ce que tu dis n'a aucun sens. Des œufs... merde, je sais même plus. Des œufs durs. Oh la vache, compliqué là. Et bonne journée, Joy. Oh, qu'elle est mignonne avec ses petits œufs. Bon, au moins, il y aurait quelque chose à manger. Et ça, c'est cool. Il y a aussi le lait qui a pourri ici. Oh mince, on va quand même le vendre. C'est magique, hein. Dans les Sims, on vend du lait pourri. C'est super. Ouais, regardez-moi ça. On peut manger des œufs durs. J'ai du mal, hein. J'ai envie de dire œufs brouillus, bouillés, j'en sais rien. C'est complètement débile. Moi, ça va bien caler, ça, dès le matin. Ah, Telstan est rentré? Ah bah non. Bah non, bah il ira pas à l'école. Hein. Toutes les plantes sont revenues à zéro. Oh, j'en peux plus. Et ce jeu, il est vraiment codé bizarrement. Hein. Je vais pas dire qu'il est codé avec le cul, mais je le pense très fort. Oups, bah je l'ai dit quand même. Bon, Joseph, au lieu de faire des papouilles au lapin, tu vas aller voir la vache. Est-ce qu'on lui a donné à manger? Punaise, on lui a pas donné à bouffer à la pauvre vache. C'est pour ça qu'elle s'est vénère. Oh, ah, cette fois-ci, Telstan est revenu. Il a ramené un lapin, deux lapins. Ah non, un écureuil, un lapin et un pigeon. Et t'es vénère, Agnès? Mais on va te donner à manger, regarde, on va te nourrir. Maintenant, laisse-nous tout te traire parce qu'on a besoin de ton lait, ma petite. Pas, il va s'entraîner à tir à l'arc. Pas dingue, hein. Tu vas aller à la chasse aussi, toi, demain? Oh, et puis il s'énerve tout seul. T'as fini de prendre soin de ton jardin? Oh, vu la gueule du jardin, je vais te dire. Hé, ça vient de pouper! Waouh!
Ouais, la citrouille! Ouais, la citrouille! Magnifique. Oh, c'est bien, parce qu'on pourra aussi faire de la confiote et tout. Ça pourrait être sympa. On a récupéré du lait, ça aussi, c'est bien. Ça pique? Oui, a priori. Lui fait des câlins. Ah, mince. Mais en fait, je sais pas. Elle a récupéré du miel, mais pas de la cire. Et j'aurais voulu qu'elle teste se mette à faire des bougies. Mais bah, il peut pas, parce qu'il n'y a pas assez de cire. C'est Joy qui a un peu de cire sur elle, mais bah, Joy, elle est à l'école. Donc. Par contre, elle fait connaissance de pas mal de monde. Donc, c'est cool. Elle a pas une bonne note. Hein. On peut récupérer de la cire, mais faut qu'elle fasse le truc de recyclage, là. Bon, Joseph, ce qui est bien, c'est qu'il va falloir quand même... qu'on trouve une charmante demoiselle. Va falloir qu'on se noque... Voilà, qu'est-ce qui se passe dehors? Bah, c'est un monsieur. Mais c'est étrange parce que je comprends pas leur tenue. Parce que moi, quand avec le MCC, je leur demande de... Voilà, je regarde par exemple. Il n'y a aucune tenue où il est censé être habillé comme ça. Donc, je comprends pas. C'est le jeu, quoi. C'est mon jeu, surtout. Il y a un jeune homme ici qui est plutôt pas mal. Viens donc lui dire bonjour. Au bout de sa life, Joy. Et Soli Soli, très cher Dario Asenjo. Je vais raconter des trucs. Non, mais vas-y. Plains-toi qu'il fait froid, tout ce que tu veux, mais. Voilà. Sois sympathique. C'est un jeune adulte. Mais bon, peu de temps, tu seras bonne à marier, hein. Je crois qu'il est dépressif, notre petit Joseph. Papa, j'ai toujours pas trouvé de femme. Je suis triste. Oh non! Ils reviennent! La secte du mur! Aïe. Ça y est, ça revient. Et qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Comment ça, 250 balles? Mais t'es malade! Tu fous ma gueule, toi! Mais meuf, pourquoi tu te donnes de l'argent? On n'a pas envie de faire rentrer la secte chez... Non mais... Mais allô, mais au revoir! Mais cassez-vous! Eh, c'est... Ils nous ont laissé tranquille une journée, puis ils reviennent, tu sais. Oh, l'enfer! Dans le livre, on a pu... J'ai pu faire quelque chose. Alors, je sais plus exactement ça. C'est avec le... Honeymead, donc on va faire un truc avec du miel. Comme ça, au moins, on peut faire à bouffer. C'est une boisson, en fait, qu'on a fait. Ok. On espère qu'il y a quand même pas mal d'œufs. 2 œufs seulement. Nous en fait 4 en tout. Ouais, on a toute la viande, mais j'ai l'impression que tant qu'on a peu d'ingrédients, on peut pas vraiment faire à manger, quoi. Est-ce que les oiseaux te parlent, ma petite Joy? Un peu comme si tu étais une princesse Disney. On sait pas. Alors, on va refaire des œufs bouillus. Ça y est, je sais déjà plus. Des œufs durs. Oh là là, c'est grave. Mais il y en a que 4 et on est 5. Bon, alors, il y a quelqu'un qui va pas manger. Bah, c'est maman. Maman, elle va pas manger. Hein, parce que c'est elle qui a le moins... Qui a le moins faim. Oh, il est sympa. Ils boivent un peu. Ils boivent un coup. C'est trop marrant. Je sais pas si ça va les nourrir un peu ou ça va leur faire juste envie de pisser. Et tu me diras, le truc au miel, ça les a nourris aussi quand même, hein. Ils avaient plus faim que ça, les garçons. Ah, ça les nourrit, en vrai. C'est pas mal, ça. Bon, allez, ma belle, mange tes œufs. Eh, mais en vrai, ils puent déjà, Joseph. C'est une dinguerie, hein. Oh, et ils sont où, là, les deux? Ah non! La secte a repris! Ah, bah, ça y est, je les ai surpris, donc, du coup, ils s'en vont tous. Oh, les coquinouilles, hein. Bon, après, c'est un peu tous des adultes, déjà. Donc, c'est un peu dommage. On peut pas trouver une femme pour notre fils. Vraiment, je comprends pas ce qu'il y a. Hein. Il y a cette pièce-là, mais qu'en plus, on va même pas s'en servir, a priori. Est-ce que c'est... Il y a un truc spécial là-dedans ou... C'est chelou. Non, mais monsieur, on s'en fiche que vous nous aimez ou pas. Vous vous cassez. Prenez votre corvette et allez très loin. En enfer, surtout. Oh, ma très chère Ismenia. Ça sent bon la chaussette et la chaussure. Qui pue, ça? Et sous ça, ça m'excite. Alors... Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit vouvou, ma très chère femme? Histoire que... Ben, on se dépucelle. Marié depuis au moins une vingtaine d'années, il se découvre pour la première fois sous la couette. C'est très logique. Bon, après c'est les parents, donc voilà. Bon, et ben c'est là-dessus que... On va vous... Oh là là. D'accord, ça va promettre aussi. C'est là-dessus qu'on va se quitter pour ce premier épisode du Ultimate Decades. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre tous les commentaires dans les commentaires. Prochaine fois, on fait vraiment l'étape de chercher une femme pour Joseph. Parce que Athelstan va très vite lui aussi devenir jeune adulte et donc prêt à se marier. Et ensuite, ce sera au tour de Joy. Je vous embrasse. Et si vous avez des questions concernant le challenge ou quoi, les règles et compagnie, c'est dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre. Sinon, n'hésitez pas à checker la description parce qu'il y aura pas mal de vos réponses, je pense. Allez, des bisous. Ciao, ciao.